La meuf, elle avait pas dit, ouais, moi, je mets pas de chouchou. Allez, c'est parti, mon kiki. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je me baladais sur Pinterest et j'ai flashé sur un haut Paloma Wool. Et je me suis dit que ce serait cool de le refaire. Donc j'ai été sur Vinted, j'ai essayé de trouver un dupe. Donc je cherchais du coup un haut longue manche à rayures. Donc ce que j'ai fait, là je suis sur le téléphone, j'ai été... Désolée. D'abord j'avais trouvé ce pull mauve mais il était trop épais, puis lui à gauche j'aimais pas tellement et du coup j'ai pris celui en haut à gauche tout en haut, en plus il coûte 2 euros donc ça passait vraiment bien. J'avais pas, au début je savais vraiment pas comment j'allais faire, je l'ai commandé sans vraiment savoir comment j'allais transformer ce haut. Au début je m'étais dit que j'allais enfin que j'allais découdre une des manches, retourner le haut, enfin bref. Vous allez voir dans quelques instants comment j'ai fait. En attendant, je vais vous montrer un petit unboxing de quand j'ai reçu mon colis. J'ai reçu une notification de Vinted. Je vais aller chercher mon colis maintenant. Aujourd'hui, la sape, c'est fashion faux pas complet. T-shirt fuchsia, pantalon rouge et Birkenstock blanche. J'y vais, je vais le chercher, j'ai trop hâte. I'm back. Oh putain, il fait tellement chaud maintenant. Donc je suis partie, il faisait froid. Maintenant je pète de chaud. Bref, du coup, j'ai été chercher le colis. Je vais faire un petit unboxing avec vous. Je vais bien vous mettre. Voilà. Ok, je l'ouvre. Voilà, il est comme ça. Je voulais cacher mon adresse en l'air. Voilà. Bon. Désolé pour les verrous. Oh, il a l'air beau. Oh, il est trop beau. Comme sur la photo. Wow. Il est trop... Oh, j'aime trop. J'aime trop les gens sur Vinted qui mettent des petits mots. Je trouve ça trop mignon. Pardon pour la porte qui grince. Elle a mis une petite carte avec des chaussures. Elle a mis merci pour votre achat. J'ai acheté 2 euros et il est comme ça du coup. Putain, ça va être trop canon. Bon, du coup, je vous retrouve dans quelques jours pour vous montrer comment je vais transformer ce haut longue manche que j'ai acheté 2 euros sur Vinted. Du coup, le haut est là. Il est beau gosse, hein. En plus, il brille un peu. Comme je vous ai dit, je ne savais pas tellement comment j'allais le faire. Et coup de chance... J'étais sur Insta et je vois que Ruby Pigeon fait un t-shirt longue manche avec un twist devant. Donc j'étais là en mode trop bien. Du coup, j'ai suivi son tuto pour faire le haut. Enfin, je vais suivre le tuto pour faire le haut vu que je vais le faire maintenant en direct, en live. On va couper avec un ciseau tout ici. Tchac. J'espère que je vais... droit. Voilà, j'ai coupé le haut au milieu. On va dire que j'ai coupé plus ou moins droit. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre cette partie, je vais l'amener au-dessus, je vais la ramener ici. Ça, c'est un peu plus critique, on va dire. Je la ramène là. Tchac. Et tout simplement, je vais coudre les deux parties ensemble. Comme ça. Je vais coudre ça à la machine. Voilà. On en est ici. J'ai retourné le top. Comme ça, les coutures seront à l'intérieur. Et je vais coudre tout de suite. Résultat, le devant il est comme ça du coup. Hop. C'est comme ça. Hop. Et dans l'autre sens, c'est comme ça du coup. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que
que ça vous a plu et que ça vous a donné envie que lorsque vous flashez sur un vêtement, vous trouvez un dupe sur Vinted par exemple et de le retransformer comme vous le souhaitez. Moi du coup j'ai fait ce modèle là et je suis contente, vraiment c'est cool parce que je l'aime que ce soit comme ça ou de dos, je l'aime vraiment bien. Couture franchement c'était très facile à faire, ça m'a même pas pris 100 minutes. Et voilà, apprendre à coudre, c'est pas compliqué. Moi, j'ai appris pendant le confinement. C'était il y a pas si longtemps que ça. Avant, je savais rien faire avec une machine à coudre. Donc, tout est possible, ton vœu. Voilà, je vous laisse. À très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.